très mélangé, mais je porte essentiellement Zadig. Ouais. C'est toujours dur la création, mais c'est vrai que je pense que j'ai trouvé ma voix et donc je porte, oui, j'aime porter ce que je fais. Ma journée type, elle démarre tellement vite avec mes trois garçons que je dois décider la veille ce que je porte. C'est toujours cet équilibre entre chic et rock que je cherche. Tout à l'heure, je portais une grande pièce, un poulet né de Balenciaga, faite par Nicolas Ghesquière. Évidemment, sa créativité, elle est incroyable, elle est vaste, elle est forte, elle est pointue. Je dirais c'est Nicolas Ghesquière, Phoebe Philo. Évidemment, une petite touche de Helmut Lang de la bonne époque, Lauren Hutton. Je porte toujours des chapeaux, tailleur homme, Caroline Bessette Kennedy. J'ai plus des muses comme ça, Patti Smith pour son côté masculine. Et évidemment, des icônes de la musique comme Keith Richards, sa femme, Patti Hansen, Mick Jagger, comme je dis. Je termine une collection et là, en ce moment, je démarre l'été 2017. Et il y a encore, si je vous dévoile tout, il y a Iggy Pop, Jimi Hendrix qui reste comme référence. On a toujours un lien, je trouve, affectif avec quelque chose qui est ancien. On a un héritage et oui, il y a une histoire. Nous, qui sommes des vraies filles, qui sommes des passionnées de la mode, on rêve toujours de dénicher cette pièce qui a une histoire que personne d'autre peut avoir.